C'est une pièce dans laquelle Denis Kelly imagine faire venir sur un plateau de théâtre des gens qui sont supposés avoir vécu un drame personnel absolument épouvantable. Il est question d'un infanticide, une femme, Donna McAuliffe, qui a été acquittée du meurtre de ses deux enfants. Et comme ça se fait beaucoup, rarement au théâtre, mais en tout cas beaucoup à la télévision, on invite les gens pour parler de leur vie. On fait les sous avec ça. On sait très bien que la télévision fait de l'argent avec ça, la télé-réalité. La question, c'est qu'est-ce que les gens viennent faire dans ces galères-là? Pourquoi les gens viennent chercher leur rédemption médiatique à la télévision, par exemple? Et qu'est-ce que le théâtre peut apporter comme réflexion sur le principe de la réalité médiatisée? Est-ce que c'est possible déjà? Est-ce que c'est possible de venir raconter, venir témoigner d'un drame très intime, très personnel? Est-ce qu'on n'est pas déjà dans un processus fictionnel? Si, très probablement. Est-ce que ce n'est pas le processus fictionnel, justement, qui permet de se rendre la réalité admissible? Il y a ceux qui, dans la fiction, comme ça, se débrouillent très très bien, très, très vite comprennent le processus de la médiatisation, ce qu'ils peuvent y gagner. Puis des gens comme Donna, qui ne comprennent absolument pas à quoi elle participe, qui va se faire essorer comme un citron. Et puis le lendemain, l'émission, c'est autre chose, hein, donc ça n'intéresse plus personne. Il y a tout un espèce de processus de mise en abîme, de médiatisation dont on va essayer de rendre compte, à la fois des témoignages hyper réalistes, parce que Kelly écrit à la virgule près, au raclement de gorge près, ce qu'il suppose être l'hypersincérité de quelqu'un qui vient raconter son histoire la plus sordide, et comment, plus l'histoire est sordide, dans la mesure où elle est dite avec des accents de sincérité, comment ça passe? Et comment les choses les plus terrifiantes peuvent passer pour peu qu'on ait des accents de sincérité quand on les dit. La pièce est très drôle, elle fait froid dans le dos à des moments, vraiment. On va beaucoup travailler sur le témoignage direct, théâtral, et puis progressivement on fera rentrer une caméra, donc l'image de la personne en train de témoigner commencera à prendre progressivement le pas sur la personne. À quel moment on finit par admettre que la fiction devient réelle? C'est-à-dire ce mensonge-là, médiatique, que tout le monde connaît, on sait très bien que tout ce qui est tourné à l'image, c'est faux. À partir de quel moment on décide de l'admettre comme quelque chose de réel? Comment on souscrit à ces mensonges-là? En règle générale, un mensonge, c'est simplement vous et moi qui faisons mine de croire en quelque chose qui n'est pas vrai et qui nous mettons d'accord pour ne pas en parler.